Ah oui, d'accord. Alors pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Ben parce que le circuit bleu, il passe le pont là. Ah oui, d'accord, ouais. Et puis nous, on est parti tout droit pour rejoindre là. Ah oui, d'accord. Et là, c'est bon. Hein, donc tu as fait tout ça de ce côté-là, quoi. Alors tout ce parti-là est enlevé. Ah ok. Parce que le bleu et blanc tourne là, ils font le tour et ils reviennent par là. Ah ouais, d'accord. Ils rejoignent après. Donc t'as une modif à faire quoi en fait quoi. Ouais, mais il faut que j'enlève. Enlever quoi. Enlever. Ah ouais, bah, pour enlever c'est plus facile. Quoi que. On les a mis très haut en plus, ça va fouiller. Ah ouais. À mon avis, qui est venu de vérifier alors du coup? Il y a quelqu'un qui est venu vérifier ce que t'as fait? Non, on a vu Patricia tout à l'heure, là, on lui dit, mais. Voilà, et puis on m'a dit, bon, ouais, il fallait pas faire là. Ouais, mais bon, ben. C'est mieux de... Ça paraissait logique, peut-être Compagnon Mauve, alors je me demande, puisque nous... Oui, enfin, c'est moi qui l'ai mis. Ah, ouais. D'accord. Parce voilà, que... c'est pour ça. Bon, moi, je n'ai pas eu assez, donc du coup, je vais en mettre ici aussi. Ah, d'accord. Moi, j'ai mis un mauve jaune dans le bas, c'est juste pour prendre le chemin. Là. Oui, mais alors, comment on fait le circuit ici, avant? Il vient de sauter, tiens, tu vois. Ah, c'est pour ça que j'ai juste orienté pour prendre le chemin. C'est bon, d'accord. C'est bon, ça colle? Ah, ça colle. Bon, non, c'est juste. Moi, il m'en reste 4. Si tu en veux, j'en ai encore un. Ben non, j'ai fini. Ah oui, donc le guimignou. Le balisage est fini, c'est un bon. Tu fais quasiment fini. Je vais pas faire le guimignou. Moi, j'ai fini. Tu auras assez de tomates ou pas? Ça devrait être bon. Moi, je continue. On va faire une journée de vinaigre, je pense. Je crois que j'ai vidé le four. On change pas les ordres des choses, finalement, c'est les femmes qui font la cuisine toujours, finalement. Ouais, c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant, ouais. Faut aimer ça, hein. Pour le débroussaillage, c'est Jean-Yves qui faisait le casse-croûte. Jean-Yves et Hélène, mais c'est Jean-Yves qui officie. Peut-être, hein, je ne sais pas. J'y suis allée, à chaque fois, c'est lui. C'est lui le cuistot. Non, parce que pour le repas, pour les musiciens et tout, le jour du trombone des arrêts, c'est... Comment ça s'appelle? C'est pas systématique en fait quand même. Quoi. Non, parce qu'il y a des parents là, ils sont tous les deux cuisiniers, donc. Voilà. Et ils font ce repas-là, tous les deux. Oh non, c'est pas. Ça tourne en fait. On est très mixte, hein, parce que de toute façon, c'est les pères et mères qui interviennent. Tout à fait. Donc finalement, tout le monde met vraiment la pâte. Tu peux faire venir pas une grande. Je suis arrivée, donc j'étais déjà partie pour le circuit. Le pinard est bon, je dis. Michel, dis ça, Thierry. Ah, un petit coup de pif. T'es filmé. Pris sur le fat, là. T'es filmé, là. En terre nanette, par contre. Oh, je plaisante. Ici, il n'y a que des gens qui rient. Hein. Ah, ouais. Tiens. Si les mettre où c'est plat, les mains, ils ne parlent plus. Gros travail de préparation, monsieur le maire. Bah oui, ça travaille dur. Ça travaille dur. À la bonne sortie. Tous les jours, nuit et jour. Nuit et jour. La nuit, on pense et après, on repense. Ça vous met pas trop d'angoisse quand même, non? Pour vous, c'est une fête ou quoi? C'est une fête. Il faut que ça la fête pour tout le monde. Bon, il n'y a pas de raison. Bonjour. Je voudrais prendre un billet pour l'entrée là. Le parcours le plus court, c'est vrai. Ah, je peux t'arriver. Il reste encore des places pour le plus court? Oui. Les places sont illimitées en fait. Elles sont limitées, bon, ouais. En fait. Merci bien. En échange du bon cadeau. Ok, d'accord, ça marche. Où est-ce qu'il est? Elle est pas. Ça et ça. Ça marche. Ouais, tu pensais me voir plutôt que ça, peut-être, non? Oh non. Donc la je fais mon. Manifestation bat son plein. À 13h, on a passé ici 1500 marchands. Déjà, dis donc. Ouais. Ah ouais, donc ce sera plus que l'année dernière, à peu près. Bah écoute, on sera dans la fourchette haute entre 7500 et 8000 marchands. Ah ouais, quand même. Un succès. Succès populaire. Il n'y a pas de souci, quoi. Non. Ça se confirme d'année en année, quoi. Oui, la manifestation est bien assise. Elle a une réputation de... Ah oui. De convivialité, et puis elle fait le nécessaire, en fait. Ouais. Ah non, mais c'est... Ben, je suis content pour vous, en fait. Hein. Ouais. Convivialité, qualité du circuit. Mais en plus, avec un aspect un peu culturel, chaque fois, quand même, il y a toujours un truc culturel. Ah oui.
c'est le fonds de commerce du Trou Ménézari, la plus-value culturelle. La plus-value culturelle, ah ouais. On va en manger alors. Je vais continuer le parcours. Ouais. Tout à l'heure, peut-être on parlera un petit coup, ouais, un petit coup de morceau. Hein ouais. Allô, c'est à toi. Mais j'ai bien boire un coup, lui. Allez. Ah ouais. Ça y est. Ah ouais, c'est tout. Il avait soif. Ou elle avait soif. Ouais, elle avait soif. Elle a toujours soif quand elle boit de l'eau, tout ça. Ouais. Ça boit que quand ça soif. Allez, bah, vas-y. Alors, on va arriver au bivouac. Bon ballon, où est-ce qu'elle a vu bon ballon, où est-ce qu'elle a vu bon ballon, où est-ce qu'elle a vu
be bon, oui. Mais on t'a dit t'es l'air bien, c'est ce qu'elle a dit bon, oui. Mais on t'a dit t'es l'air bien, c'est ce qu'elle a dit bon, oui. On t'a l'air bien, c'est ce qu'elle a dit bon, oui. Personnes qui seront autour, je dirais une organisation telle que le trouble des arrêts ne peut se faire qu'avec une équipe et avec une grande équipe, beaucoup de volonté. Vous le faites bien et vous le faites déjà depuis plusieurs années, et je dirais qu'on a, puisque le trouble des arrêts est une référence en la matière. Voilà, merci. Alors, on va maintenant procéder à ce pourquoi on est venu en fait. Passation de bâton de marcheur qui. Alors, cette cérémonie-là a débuté en 2000 à Jeune-Boite. Alors, première édition du Jeune-Boite en 2000. Et on y attache beaucoup d'importance parce qu'elle est symbolique. Pour Guignot, aujourd'hui, ben c'est la fin de l'édition 2011. Et pour Guerlesquin, c'est le début de l'édition 2012. Et je crois que il y a une symbolique très forte là. On a un passage de relais entre deux communes. Le trot continue dans les monts d'Arrée. Alors je te remercie. Oui, et c'est avec plaisir que je le prends. Et la clé de la réussite du prochain tour des Arrées. Voilà. Alors chacun des rubans qu'on trouve, hein, ça symbolise les rubans de couleur des différents sentiers. On balise d'une couleur différente chaque sentier. Chaque marcheur se voit remettre une carte du sentier qu'il a choisi au départ. Hein, par exemple, le rouge, 20 km. Et tout le long du circuit, c'est balisé de cette couleur-là. Hein, donc voilà la symbolique des... différentes couleurs sur le bateau. Guy Millot, on a remarqué beaucoup de regrets à séparer du bâton de marcheur du Troménez Arrée. Alors on s'est dit que quand même, pour pas que ce soit trop douloureux, eh bien on allait offrir un autre... Bonjour. Votre ticket, monsieur ? Merci bien. Pas sortir, c'est bien, si, pas sortir. Ah ouais. Hein ? Sur le thème du Moyen-Âge et du combat des 30. Ouais. Ok, donc 24e, ça y est, c'est parti, quoi. C'est parti, la 24e édition, ouais. Et
temps. Et presque avec nous, on dirait. Ouais, 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 à peu près de la partie, non ? Ouais, ouais. Idéal pour marcher. Voilà. Voilà. Ni trop chaud, ni trop froid. Ouais, idéal pour marcher. Voilà, il y a de l'ombre dans le ciel déjà. Pas, pas trop chaud, pas de coup de soleil en perspective. Non, non, non. Mais pas non plus trop de pluie. C'est parfait. Je crois pas que ça va. Ça, je crois pas. C'est ce que vous aviez commandé. Ouais, on avait commandé du temps pas pluvieux, mais pas trop chaud. C'est ça. Ouais, ouais, voilà. C'est ça. Pour les gens, on n'aille pas à la plage. Couvert, pas trop chaud, idéal pour marcher. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bonjour, les courageux. C'est 40, les 40 km là, je pense. Ouais. Ah ouais, ça, on voit bien que c'est sur des gens. Bah vous aussi, vous avez placé Orange. Ah, elle m'a mis à 40 km. Mais on n'est pas obligé de le faire si on veut pas. Ah, obligé. Si. Ah oui. Ah bah dis donc. Là, jusqu'à bon. Demain matin. Le 40 km, il faut que j'aille jusqu'à où? Alors jusqu'à Carhaix, presque. Non. À peu près. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous y allez là maintenant là? Ouais, c'est ça. Bon, on va y aller, on va tout ménage, laver. Donc ici on est au QG, alors des bénévoles quoi. QG, retour marcheur. Ah ouais d'accord. Ouais. Des tomates. Alors c'est des, quel sandwich, quel type de sandwich vous appelez ça? Ah j'aime ça. Ça n'a pas de nom ça. Sandwich tout court. Un bon sandwich. Un bon sandwich quoi. Oui, non malade. Pour nous, pour pas être malade surtout. Pour non malade. Parce qu'il faut pas être malade. Donc c'est du travail à la chaîne ça. Hein? C'est de la fordisation, ça, on appelle ça. Il y en a un qui coupe le morceau. Non, mais oui, c'est vraiment... C'est bien organisé. Hein. C'est bien organisé, on voit ça, là. Du ouais. Professionnalisme. Tout à fait. Hein, voilà. Bon courage, mesdames. Merci. Vous êtes mis tout seul ici, non, je suis puni. Ah, on vous a puni? Oui. Pour quelle raison, alors? Ben, on m'a dit, voilà, t'es puni, tu vas aux œufs. Oh, ben, alors, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Non. Parce que c'est toujours mieux de travailler à deux. Histoire de faire des œufs. Voilà, hein? Non, je, voilà. Non, c'était un choix pour eux. C'est un choix, mais dans la chaîne, il faut des œufs. Oui, oui, oui. Des sandwichs américains. Parce que ce n'est pas des américains chez nous. Hein. Ah non, non, non. Ce sont des sandwichs. J'essaie de leur faire dire ça, il n'y a pas une seule qui a été capable de le dire. Voilà. En fait, c'est du sandwich armoricain. Armoricain. Adhéré, quoi. Bah oui. Oui, forcément. Un des cadeaux de l'édition. Donc ce sont des chênes qui ont été mis en pot à la pépinière de Plouny-Urménez à partir de glands récoltés sur le champ de bataille de la mi-voie du combat des 30. Ah parce bon que l'édition de Guerre Lesquin est sur le Moyen-Âge et le combat des 30 puisque deux chevaliers de Guerre Lesquin ont pris part au combat des 30. Qui s'est situé où là, pour le monde recadré entre Josselin et Plouermel, à la mi-voie. Ah ouais, à la mi-voie. Et donc, on a un autre cadeau sur la bataille des 30. C'est fait, conçu spécialement pour le Troménézaré, Mgand non Trégand, le combat des 30. Donc, DVD filmé par l'association Pleyber Patrimoine. Ah ouais. Qui interviewe l'historien médiéviste Jean-Christophe Cassard sur le combat des 30. Ah bah c'est très intéressant ça. Conçu spécialement pour le Troménézaré. Pour le Troménézaré quoi. Hein sinon... C'est les affiches. L'affiche de l'édition. Bien sûr. Hein, alors là... Constituée avec des photos de Guerre Lesquin. Tout à fait, ouais. Affiche unique aussi. Ouais. Voilà. Qui a une très très. D'ailleurs, un format de présentation qui est comme hors du commun un peu. Là, voilà, c'est sympa. Tout à fait. Donc, tous ces cadeaux-là sont maintenus secrets jusqu'au jour de l'édition. Hein, on ne les dévoile pas. Donc, je n'aurai pas le temps de faire mon montage. T'inquiète. Non, non, mais c'est pour dire que les marcheurs ne savent pas. Et alors, quatrième cadeau de l'édition. Ah, toi, ouais. Ça on m'avait pas dit par contre. Hein. Quatrième cadeau de l'édition. Donc il y a quatre cadeaux, déjà c'est pas rien. Un gobelet. Gobelet réutilisable, Troménézaré. Hein. Super sympa ça. Ça voilà. On l'amène à la maison avec nous, c'est toléré quoi. Donc, c'est un cadeau. Ils peuvent s'en servir pour comment boire le jour du Troménézaré, mais ils le ramènent à la maison. C'est un voilà, de manière, cadeau de l'édition. À la limite, ils pourraient resservir l'année prochaine. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce qu'on ne va pas continuer de produire du plastique comme ça à temps l'arigot. Ah, c'est le principe, c'est ça. Ok. C'est à la fois une randonnée
instructif, historique et écolo. On peut dire, hein, on peut dire. De toute façon, les randonneurs qui viennent notre promenade Arès sont attachés au sentier, à l'environnement. Et c'est pour ça aussi que tous les sentiers, on respecte la charte Natura 2000. Ah ouais, 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 voilà, excusez-moi. Ce qui va tout à fait dans le bon sens, je pense. Oui, tout à fait. Avec la collaboration du parc d'Armorien. Ouais. Ok, ça marche. Alors. Hubert, messieurs, Malrageux, Madara. Eh, hey. Au revoir. Kilomètre Troménézaré, en Ménézaré. Ah bah, année de dédié. En Ménézaré, prenez, quand Troménézaré, à Redet, quand tu gavdet, Ganin. Ya, évite va Troménézaré diweza, giz Tader School. Ok. Comme Trom. Kilomètre à Gotterton. Ça va? Essayez, Gilbert, bonjour. C'est possible. Attends, je vais te faire passer. C'est pour les enveloppes qu'on a fait un peu, PMA. C'est Thérèse pour toi. Ouais, alors. Allô? Ah! Il y a un truc là, mais non, rien à voir. Là, si. Ah ouais, mais elle a fait. Il t'a fait en format 4. Il n'y a pas de A3, par contre, t'as tout là. Ouais, bon, bah alors on va essayer de. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Salut. Ah, frère. Ça y est, la sécurité est arrivée. Ouais. Ah, bah voilà. Ça va. Ah, ça, c'est les hommes forts pour. Au cas où, quoi. Au cas où les identitaires débarquent à faire la foire. Ils vont pas venir nous embêter, là. Il y aura trop de monde pour eux. Ils seraient pas mécontents, peut-être. Histoire de faire un peu d'exercice. C'est donc le lieu où on stocke les boissons. C'est-à-dire que toutes les boissons que l'on retrouve sur les différents sites de la fête passent par ici. Ah, passer. On passe commande, on négocie, on passe commande, on réceptionne. Ouais. Et à partir déjà depuis hier, en fait, tout a été réparti sur les différents points de ravitaillement et les buvettes. Surtout les parcours, quoi. Qui sont déjà en activité pour certains d'entre eux depuis 8 heures. Simplement en chiffres, est-ce qu'il y a un chiffre qui te semble intéressant à nommer, je sais pas, le nombre de litres de flotte. Oui, pour ce qui est des quantités, c'est pas des quantités. À l'astronomique non plus, quoi. Non, gastronomique. Gastronomique. Non, c'est relativement modeste. Mais le plus important, ouais, ça reste quand même l'eau. Ah. L'eau, parce qu'on. Ah oui, quand même. On s'attelle à distribuer de l'eau donc gratuitement. Et de l'eau de source, c'est possible en bouteille. Ah ouais. Et qui est originaire du coin, peut-être un peu. Alors, pas de 6 ans, il n'y a pas 6 ans. Non. Ça peut changer de. Cette fois-ci, elle vient de Planquette, c'est pas très loin. Ah ouais, c'est pas très loin, ça reste toujours régional. En général, pour ce qui est des boissons, on essaye de faire travailler les locaux, quoi. Les locaux, il s'agit que ce soit pour les boissons alcoolisées comme pour les boissons soft. Ah ouais. Ce sont en général des producteurs ou des artisans locaux. Locaux, bah, c'est bien normal. Hein, c'est le principe un peu aussi de l'association. On essaye d'abord de faire fonctionner le local. Le local, c'est une volonté. Ouais. Bah, c'est une très bonne volonté à tous les cas. Oui, c'est vrai que. Alors, là, depuis hier, tu étais déjà en chantier, ça veut dire que. Alors, on est sur place, moi je suis sur zone depuis hier. Ouais. Et je repartirai que demain soir. Demain soir. Voilà, parce que après avoir tout distribué, on aura certainement quelques retours, parce que tout ne sera pas consommé. Ouais. Et du coup, il faudra donc reconditionner pour que ça reparte vers le fournisseur. Le fournisseur de nouveau, quoi. Très bien. Je te remercie. T'en prenons déjà, c'est Thierry. Thierry, ok. Elle a pas les clés. C'est sympa de travailler en équipe comme ouais, ça. Ouais, hein. Génial. Il n'y a rien de beau le travail collectif, quoi. Tout à fait. Ouais. Martin. Oui. Tu veux quoi? Hein? Toi, t'es pas le fils à Irène? Oui, là. Là, c'est pour le fils à Irène. Oh! C'est repéré. C'est pour qui, Martin? Irène. La canette? Non, Irène est le divin enfant, Michel. Irène de la maison de retraite. Oui, ouais. Tu es le fils d'Irène. Oui. Oh, ta maman. Michel. Allez, Michel. Oh, alors.
chocolat pour Noël. Oh oui. Moi, je fais demi de chocolat à Noël. C'est la grosse commande. 50 américains. Ah, vas-y. Je sais pas si. Tu vas les envoyer après à poste, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que je prends la bagnole pour y aller, quoi. Voilà, ouais. Ah, ouais. En fait, il y a deux voitures et on fait les deux trucs, en fait, si tu veux. Donc, on a réparti tous les points de ravitaillement qui sont ici sur la carte. Et en fait, on livre des petites choses aux points de ravitaillement qui, eux, déjà ont leur matériel. Alors, un peu de soft déjà. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut tout répartir en fonction du nombre de marcheurs. Donc, on a fait des pourcentages. Et après, à partir des pourcentages qui sont ici, tu vois, on a 10, 12, 36, machin. Ben, après, on a divisé les sandwichs en trois parties. Ouais. Et après, on a réparti en fonction des pourcentages. Okay, voilà. Et on envoie les sandwichs, on envoie de la boisson, un réassort, tout plein de petites choses comme ça. Des petites choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Quand c'est des petites choses. Ça se passera où, du coup, vous savez déjà ? Komana. Le 25e anniversaire. Le quart de siècle, dis donc. C'est pas rien. Vous avez un truc en particulier, d'ailleurs, pour l'occasion ? Ah ben, oui, parce que ben, c'est un anniversaire, hein. 25 ans pour une association, c'est pas rien. Les bénévoles sont constitués, de parents d'élèves et d'amis de l'école du Rwanda de Komana et aussi des associations locales de Guerre-Lesquin qui s'investissent pour que ça soit aussi la fête de Guerre-Lesquin. Si au départ, les Troménézarés demandaient à venir dans les communes, aujourd'hui, c'est les communes qui demandent à recevoir le Troménézarés. D'accord. On a inversé, hein. C'est les communes qui sont candidates à recevoir le Troménézarés. Voilà. Bonjour. Voilà, la directrice du parc d'Armorique. Ah d'accord, ok. D'accord. Qui est partenaire de la manifestation. Pour vous, c'est important, j'imagine. Alors, complètement, l'association est. Enfin, le parc est partenaire de l'association depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc c'est un travail de fou qu'on mène depuis plusieurs années pour choisir les chemins les plus adaptés. Les plus, on va dire, respectueux aussi de la nature. Tout à fait. C'est des vrais professionnels. Ouais. On essaye. Oui, parce que notre commission sentier recherche des sentiers et puis du patrimoine, surtout découvrir du patrimoine sur les sentiers. Alors, patrimoine qui peut être bâti, patrimoine qui peut être naturel. Et donc là, le parc d'Armorique intervient en nous conseillant, notamment dans les zones à sensibilité, s'il y a de la faune ou de la flore à respecter. Là, le parc d'Armorique nous conseille et on peut être amené à modifier. Je crois que ça, c'est très important dans l'esprit du Troménézarés et du parc d'Armorique. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est que nos deux organisations, en fait, ont à cœur de préserver l'environnement. Donc, et je crois que c'est aussi ce qui plaît aux randonneurs. Cette histoire-là plaît aux randonneurs. Préserver et valoriser. Oui. Puisque tout à fait. On le fait partager, ce patrimoine. Ah, tout à fait. Oui. Redécouvrir même. Voilà, redécouvrir. Voilà. Et d'ailleurs, les gens même sont respectueux, parce qu'en fait, vous dites qu'après, bien souvent, il n'y a pas du tout de dommages, ni de déchets. Ah, non, parce que. Dans la semaine qui suit le Troménézarés, on débalise l'ensemble des sentiers et donc les équipes qui ont balisé débalisent et nettoient éventuellement les sentiers et il n'y a jamais rien à traîner sur.
farine. Après, c'est parfumé avec des amandes grillées, de la farine. Il n'y a pas de liquide. L'origine, c'est avec des grilles. Au départ, vous avez du pain sur des branches. Voilà, là, c'est le départ de la cuisson. Une fois que c'est cuit, on remet une couche par-dessus. Ah, pas bon. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Et puis plus on a de personnes, bah plus on fait de couches. Regarde. C'est pour ça que moi je l'ai fait sur place, voilà, justement pour montrer quoi. Montrer ce type de cuisson. Ouais. C'est quand même plus agréable. Tradition familiale. Oui, c'est un. C'est vraiment le gâteau typique à Véroge. Ah ouais, c'est ça. Ils y tiennent comme nous, on y tient la trappe. Comme le phare. N'allez pas dire, comme le phare breton, comme le couignamande, quoi, on dirait. Ouais. En Alsace, là-bas, ils le font plus spécialement pour Noël. Ah ouais, ça. Le gâteau sapin. Ah ouais, d'accord, ouais. Et après, donc en Allemagne, c'est Baumkuchen, c'est gâteau arbre. Ah ouais, ouais. Donc, beaucoup de pays de l'Est, l'Italie, Pologne. Ouais. Mais si, justement, tu as des côtes. Il faut déconner. Elle a le droit de déconner. Elle a le droit. Vous auriez noté quand même, la mesure a été prise. Hein. C'est-à-dire que les parts sont strictement identiques. Je suis pas dedans. Ah, oui. J'ai beau mesurer, je suis pas dedans. Donc, je le sens. Du savoir-faire. Hein. Ah, c'est une technique. Voilà, il faut regarder comment. Là, il y a la télé qui filme et tout. Je sais pas si c'est quelle chaîne. Ah, c'est la chaîne. Slavery, no ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. Love and can't stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand silent? Instead, it's just a part of it. You go to follow the other book. Songs of freedom. All I ever had. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from the slavery. Cette balade, de cette randonnée là.
C'est un concours de circonstances. Hein. C'est un concours de circonstances d'origine. Ouais, fin des années 80, il y avait l'école qui recherchait des financements et à se faire connaître dans le secteur ici. Et un des parents était originaire de Catalogne. De Catalogne. Ouais, bah, pas loin de Catalogne et du Pays Basque. Ah oui, oui. Où lorsqu'ils avaient donc ce genre de démarche à faire, eh ben, ils proposaient aux gens des randonnées. Ah oui, ok, pour d'accord. Pour pouvoir donc attirer de l'argent et avoir de l'argent pour le fonctionnement de leurs écoles respectives. De leurs écoles, quoi. Et il y a d'autres parents qui connaissaient les randonnées dans l'Est de la France. Également, quoi. Donc le concours a fait que... Bah, ils se sont dit, ben, pourquoi pas si ça marche en Catalogne et au Pays Basque, et si nous on aime bien aller dans l'Est de la France, pourquoi pas essayer de faire quelque chose en Bretagne. En Bretagne, en commençant par Comana sur la découverte du patrimoine. Ah oui, tout à fait. Et ça a commencé comme ça, il y avait 450 personnes. Ah, 450 personnes. Il y a eu une croissance, parce que aussi l'idée, au bout de 2 ans, s'est posé la question, est-ce qu'on reste sur la commune de Comana? Ou alors, où est-ce qu'on va découvrir une autre commune et le patrimoine d'une autre commune. D'accord. Et c'est cette option-là qui a été retenue. Et c'est ça qui fait aussi le succès. Tromé-Nazaré remplace un petit peu les calvaires d'antan. Alors. Pour certains, c'est une forme de pardon. Hein. C'est une forme de pardon. C'est, ouais. Tous les ans, à la même époque, la même période, ils sont sûrs de retrouver... des amis qui n'ont pas vu pendant 12 mois. Depuis 12 mois. Hein. Alors, c'est soit en famille, ouais. Comme tout le monde sait, il y a beaucoup de Bretons qui travaillent en dehors de Bretagne. Ouais, 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 ouais. Ils reviennent, donc c'est tous les ans le jeudi de l'Ascension, donc c'est une occasion de retrouver la famille, ouais. De faire... Venir de loin, parce qu'il y a pas faire le pont. Voilà, c'est arrivé. Bon, le vendredi, voilà. La date dans le calendrier. Comme c'est une date fixe, on peut faire un pont et un week-end fixe à 4 jours tous les ans. Si ouais, on peut s'y préparer longtemps, enfin, plusieurs mois à l'avance, et préparer donc une sortie familiale. J'en retiens qu'un quart. Ça, c'est un plein aussi. Et j'ai du mal, il faut que je prenne des notes pour me rappeler de ce que j'ai. Oui. Combien on est là aujourd'hui là, mais là, à cette heure-ci là? Ah là, on est à 6000 marceurs. Vers quelle heure? Vers midi? Ah ouais, mais donc midi, ouais, midi. Ça va être une bonne recette quoi. Hein? Ça sera une bonne recette quand même. Ah, ça sera une belle affluence qui permettra de beaux jours à l'école du monde de Comana. Qu'est-ce que je vais dire? Vous êtes passé le long de la ligne verte, hein? Si. Ah, non. Ah, vous avez tu connais un petit peu le français? Non, je ne connais pas la ligne verte. Ah, ça vaut le coup, hein? Ah, ouais. On est passé à quoi? Ouais, il y avait 2,5 km. Ah, oui, c'est un site mégalithique qui date de 3000 ans, je sais pas, à peu près, ouais. Alors, avec une carte là, hein? Ah, ouais. On ne va pas de route dedans, mais ça vaut le coup de l'avoir. Je vous conseille même avant de partir. Je vous invite. Bah dis donc, elles vont sacrément pousser les mondarées. Hein. Oui. Hein oui. Constaté-t-il. Alors des mondarées avec des glaciers. Avec des glaciers en plus. Avec des glaciers, le barrage de Drenec. Avec des barrages. Ah bah dis donc. Effectivement, c'est le changement climatique à l'envers. Le changement climatique à l'envers, effectivement. Alors, faut savoir aussi que le massif armoricain était comme ça aussi. Hein. Ah oui, à une certaine époque, quoi. À une certaine époque, elle était aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors la région, c'est la Savoie, c'est le département de la Savoie. Okay. C'est une région qui se situe, on va dire, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Et on est sur le parc national de la Vanoise, okay. Qui a été créé en 1963. Donc c'est un des premiers peut-être? Un des premiers en France. Ah oui.
oui, d'accord. L'hiver, et qui se retrouvent après des semaines de fidélité. Les gens se retrouvent entre eux. Ah, c'est ce sont les habitués. C'est les habitués, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, monsieur. Je peux vous demander votre nom, si... Alors, c'est monsieur Yvan. Monsieur Yvan et votre collègue, s'il veut bien se présenter. Ah, moi, c'est Daniel Serlet. Un petit peu amoureux de cette montagne, là, des Arcs. Bah, et puis, voilà, on fait la promotion de cette maison familiale. C'est joli. Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie, messieurs. Il n'y a pas de quoi. Hein?
Non, mais il y a toujours des couacs. Je sais, je me dis sans couacs, c'est le paradis. Mevel bras, mevel bier, mevel bras, quoi. Joe, il y a de la sel partout, de la traoua, de la druze, de la il y a peut-être que casse Coca-Cola de l'Eyomong. L'Eyomong va y gazer, le croissant, des boissons derrière. C'est une noix en verre d'auberge, du biscuit en verre, des blommes en verre d'auberge. Mais t'as plus rien de modal, et dans le pays, moi ça. Rien qu'à notre you. Il y a les sternes. Et yo, à blanc de Gauaglos, au bête de Pildos, au bête de Tegminut Pildos, au bête d'un égo, avec tout dans l'une et Hélène qui s'est mis dans un peu. On commençait d'arriver à Caléon, bord d'un chou, vous laissez, on met des cas de Wetel Colo, dans une gala et tout l'audé. Et moi, c'est les bémoyés de la carrière, vous laissez. Ah, madame, peut-être que vous voulez que l'on entre ou vous voulez que l'on passe mal à ce jour. Il y a le temps de trou, vous savez, il y a beaucoup de blavaises. Disait Guimio, l'air m'a voyé d'amis à tout, passer à l'Aisville, mais de. Même Kepel, comme on a dit, même Kepel, passer à 6000, m'a testé de vous guérir, vivant de vous guérir. Mais deux sont-ils, vous délaignez, pas vraiment pas y. Ils se paquaient à Néol, et à discuter Freedom. On tombe dans la squeeze. Ils voient nous guérir squeeze, mais de paroisse, il y a un réseau en Herbinou. Il y a Tridévé, ça règne. À Chambari, t'es au labo, pas la fesse non, c'est. Chomarine Bromeil da Stanka Bourg, Beteg Babouris et la Blasen. Pugur et Véchal, va un an, on est grand à Bourg, on va 10 paquets de Hamillon, une de la Gargamour, on va être classé, et on va tout sans doute. C'est tu da vo bea un et pepem da Bourg, Beteg Babouris et la Blasen, on va la rade Beteg et ils ont rentré à Bourg. C'est un bilan, vrai bras, content. Rien. Ah, en d'une, quand ils ont bé, j'y courais, et tu, comme maintenant, ils sont en tête, surtout, de rencontre Trugarica d'Anéon, sur Hepto, des Vichets et Grenel, trouver des armes, et mais de presser nos parcs ailleurs, de avoir des necs, loin des bêtes d'Hertanos. Entrée d'une baie des Nangars, la roise Vintin, puis la roise Boudelaine, vous laissez la barrière, vous rentrez à part de la Lourdes. Bon, après, je vais te playber. Thank you.
Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la mer. Dans sa porte, on va tourner dans la m